Salut à tous, Angel, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors je peux pas parler très fort parce qu'il est tard, mais je vais vous présenter vite fait comment débloquer la mise à jour sur Blizzard. Donc là normalement, vous la lancez, ça va pas marcher, ça va vous mettre un message d'erreur pour ce compte problème. Donc on va attendre qu'il se mette hein, pour vous montrer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça met un message d'erreur. Comme vous pouvez voir, je suis en Ethernet. Alors, tac, je vais vous faire un test de connexion. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème de connexion quoi. On est à 900. Je vais pas vous le faire en entier, on s'en bat un peu les couilles. Donc voilà, donc ce qu'il va falloir faire, c'est vous cliquez sur mise à jour, vous mettez en pause. Vous allez dans les paramètres, vous allez aller tout en bas ici et mettre 300. Une fois ça fait, vous mettez terminé, vous relancez la mise à jour et vous allez retourner dans les paramètres sans mettre en pause. Remettez à zéro, vous faites terminer et là, comme vous allez pouvoir le voir, la mise à jour va se lancer. Donc bon voilà, moi j'ai réinstallé le jeu quoi, totalement parce que de toute façon 170 Go de mise à jour c'est la taille du jeu. Donc ça sert à rien hein, de faire réparer les fichiers ou de déménager pour vous brancher en Ethernet. Faites cette manipulation, normalement ça devrait marcher. Donc voilà, c'était tout pour moi et j'espère que le problème sera résolu par Blizzard eux-mêmes la prochaine fois. Et donc voilà, c'était pour moi, au revoir.